lire les ondes sismiques, l'enregistre, on peut connaître la masse qui vient taper et la vitesse à laquelle ça tape. Ça permet de comprendre quelle est la taille d'une avalanche qu'on enregistre avec des sismiques. Alors, on peut faire une expérience simple. On lâche une petite bille en acier sur une plaque en plexi. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle rebondit. Et elle fait un petit. Ensuite, une bille un peu plus grosse. Là, elle a la même hauteur. Super comme ça, mais un peu moins. Alors, elle rebondit aussi. Elle fait un saut un tout petit peu plus grave. Elle fait un saut un tout petit peu plus grave. Encore plus grosse. Ouais, un saut plus fort, plus grave. Et ça rebondit quoi. Allez, encore plus. Ça rebondit de moins en moins. C'est de plus en plus grave et de plus en plus fort. Et maintenant je fais la même chose. Ça rebondit presque plus. Et ça fait un son très grave. Et elle rebondit une fois. Et très fort. Alors maintenant. On peut se dire que quand on a quelque chose de lourd, ça fait un son fort. Mais est-ce qu'on peut faire un son aussi fort avec quelque chose de plus léger ? Oui, si elle a la bonne vitesse. Si elle a la bonne vitesse. Parce qu'avec une même bille, on peut faire un son pas fort, ou un son fort. Si je vais plus haut. Du coup, si je prends une bille moins lourde, d'un peu plus haut, faire à peu près aussi fort que plus lourd et un peu moins haut. Avec juste la force du signal, on sait qu'on a soit un truc lourd pas haut ou soit un truc moins lourd plus haut. Mais il y a aussi un autre paramètre qui est la hauteur. Ça fait des sons plus graves, des sons plus aigus. D'accord ? Du coup, quand on entend le son, quand on enregistre le séisme, si on a quelque chose qui nous donne une certaine intensité, ça nous donne une idée de la masse et de la vitesse, et après en regardant la fréquence, la hauteur du son, on peut savoir, on peut distinguer indépendamment la masse et la vitesse. On a deux paramètres, du coup on peut savoir si c'est un gros bloc qui arrive pas vite ou un petit bloc qui arrive vite. Comme ça, juste avec, si on connaît bien les propriétés du substrat et les propriétés de ce qui tombe, le matériau, on peut savoir avec le signal qu'est-ce qui est en train de tomber. Voilà.